vous pouvez expérimenter l'activité volcanique. J'attends un petit peu parce qu'il est nuageux et pour ça, nous allons premier à Los Hervideros, la Giria, et j'ai l'espoir que plus tard, le climat, le météo est mieux. 50 litres, trois fois faire le plein avec votre voiture ou aller au supermarché et vous achèterez 150 litres du lait dans les cartons. Hein. Imaginez-vous votre caddie avec 150 litres. Mesdames, Messieurs, à gauche, devant et à droite de l'autobus, il n'y a que de lave. Seulement lave. Imaginez-vous la quantité éruptée par les volcans en face. Observez que les volcans sont alignés. Ils sont alignés sur cette fissure dans la côte. La pièce de fer, c'est l'endroit plus chaud dans le parc. Là, la température est à 800 mètres, 800 degrés. Ça passe un truc, hein? C'est pas de gaz, pas d'électricité. Pas... Activité volcanique, c'est tout. Imaginez-vous les problèmes avec la construction. 400 degrés là-bas, imaginez votre chaussure. C'était un grand problème. Ici, la température est bien 200 degrés. 5 minutes. Le manteau de la Virène est aujourd'hui l'une des images les plus emblématiques du parc national de Timanfaya. Ces structures se forment lorsque l'accumulation de gaz à l'intérieur des tunnels, le long desquels s'écoule la lave, devient tellement intense qu'elle en déforme le sommet, permettant ainsi l'expulsion de matières incandescentes et de gaz à haute pression.